C'était il y a 38 ans, le 25 février 1985, un coup de grisou tuait 22 mineurs et en blessait des dizaines. Forbach continue de commémorer chaque année cette dernière grande catastrophe minière de France. Carton plein pour le théâtre en plate à Meisenthal. Pour la première fois, deux troupes se sont produites sur la scène emblématique de la Boîte Noire. C'était une volonté de la communauté de communes du Pays de Beach, mettre à disposition la halle Verrière pour deux représentations caritatives. Rohrbach, capitale du jeu, le temps d'un week-end. L'association Loisirs Jeunesse a organisé la deuxième édition de la fête du jeu. La salle Robert Schumann s'est transformée en temple du jeu, décliné sous toutes ses formes. Jeux de société, escape game, bornes d'arcade ou encore rétro gaming, un programme qui a pu profiter aux petits comme aux grands enfants. Connaître l'Orient pour mieux comprendre l'Occident, c'était le thème de la conférence d'Edgar Weber à Sirstal. Professeur émérite d'arabe, il a vécu une dizaine d'années en Orient. En plus de la conférence, la centaine d'auditeurs a pu écouter de la musique orientale et déguster des pâtisseries. Les talents locaux mis à l'honneur dans l'église de Rimelin, en solo, en duo ou en groupe, musiciens et chanteurs des paroisses du Bitcherland ont présenté leur savoir-faire au public, à l'initiative de l'abbé Jean-Paul Veil. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on finira en musique avec Hugo Schwartz. Ce jeune originaire d'Ambar est l'invité de Margot dans le cadre pour vous faire découvrir ses compositions. Saloon, Lily, Averse, vous aurez un large aperçu de son talent tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi se souvenir du passé. 38 ans après, la catastrophe du Puy-Simon reste dans les mémoires. Samedi, une cérémonie a été organisée en hommage aux 22 mineurs disparus lors du drame. C'est la dernière grande catastrophe minière de France. Maxime Lefebvre a assisté à la commémoration. Messieurs, dames, mesdames et messieurs. Ancien mineur, élu du territoire et habitant du secteur étaient réunis ce samedi pour commémorer le tragique coup de grisou qui a causé la mort de 22 mineurs il y a 38 ans. Ce matin-là, trois équipes avaient été affectées en 2018 au premier TBUS intermédiaire à l'étage moins 1050. Ah oui, c'est une date très importante pour notre région de commémorer les 22 victimes du 25 février 1985. Vous voyez bien que pratiquement toutes les familles sont présentes hein, et on espère encore perpétuer ça pendant quelques années. Même si c'est de plus en plus difficile parce que j'ai les porte-drapeaux et même les gens de mon comité qui ont un certain âge, certains ont dépassé les 80 ans, ça devient de plus en plus difficile. D'où l'importance de l'enjeu pour la Fédération des mineurs de sensibiliser les jeunes afin de faire perdurer le souvenir de cette catastrophe et plus largement le souvenir du passé minier du territoire. La génération maintenant, ils n'ont personne de la famille qui était mineure. Hein. Alors, il faut sensibiliser les jeunes. Ben, on a des contacts avec des écoles justement pour intervenir dans les écoles pour leur expliquer ce que c'était que la mine, ce qu'était le métier de mineur. Le drame du Puy-Simon, avec 22 mineurs tués et une centaine de blessés, est la pire catastrophe minière de Lorraine. On vous en a parlé ces derniers jours sur Mosaïque Cristal. Les troupes de théâtre en plate de Sirstal-Lambach et de Wolminster ont pu jouer pour la première fois sur la scène de la halle Verrière de Meisenthal. Des représentations au profit d'associations caritatives. Et l'opération s'est transformée en succès. Retour sur cet événement avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Le plat attire les foules au Pays de Beach. Régulièrement, lors des représentations des différentes troupes de théâtre, les salles affichent complets. Et cela a encore une fois été le cas pour les deux spectacles proposés par la communauté de communes du Pays de Beach pour promouvoir la langue régionale. Et pour la première fois, du théâtre en plate était à l'affiche de la halle Verrière de Meisenthal. La CCPB a organisé ces deux représentations théâtrales pour valoriser la pratique du patois. Je crois que c'était une réussite qui ne pouvait pas être autre chose. Parce qu'on a des troupes d'exception, parce qu'on a une population qui participe, parce qu'on a des associations caritatives qui naturellement œuvrent au Pays de Beach et bien au-delà. Et donc tous les ingrédients étaient présents pour que ça puisse se faire ici dans la Boîte Noire. Le 19 février, c'est la troupe de Sirstal-Lambach qui s'est produite sur la scène de la Boîte Noire. Ce dimanche, c'était au tour des acteurs de la troupe de Wolminster de présenter leur pièce. Pour eux, performer sur une scène qui a pour habitude d'accueillir des artistes de renom est un véritable honneur. C'est très 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 bien passé. Hein.
Le public était, je ne veux pas dire énorme, mais il était costaud, il nous a soutenus. Hein, on les avait pratiquement en main, tellement la troupe était bien rodée et tout ça. À la fin de la pièce, les avis dans le public sont unanimes. J'ai adoré, j'ai bien rigolé et je trouve qu'ils sont très sympathiques sur scène, c'est très rigolo. Notre plate se prête très bien à tous ces quiproquos, à tous ces jeux de mots, c'est vraiment fantastique de pouvoir promouvoir cette langue. A noter que les deux représentations avaient une vocation caritative. Le 19 février, 3 450 € ont été récoltés et reversés à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Le 26 février, 2 600 € ont été répartis entre deux autres associations locales, Laura les couleurs de la vie et les bulles multicolores. Cet événement sera amené à être reconduit par la communauté de communes. Le Plat n'a pas dit son dernier mot. Un retour en enfance pour certains, une découverte pour d'autres. La fête du jeu a contenté toutes les générations à Rohrbach. La deuxième édition s'est déroulée dans la salle Robert Schumann et il y avait de quoi s'amuser pendant tout le week-end. Petite plongée dans l'univers du jeu avec Thibaut Desmerlé. On s'affaire dans les cuisines de la salle Robert Schumann. Et ce n'est pas pour préparer le repas du midi. Toute une famille est coincée ici et doit résoudre des énigmes dans la pièce pour en ressortir. Un escape game mis en place par ce professeur du collège Jean Sétlinger pour la deuxième édition de la fête du jeu. On a des phases, hein. On passe par des moments où on se dit on va réussir et d'autres où on va pas réussir. Mais voilà, on est nombreux et puis avec le girl power, bien sûr qu'on va réussir. Derrière la porte, tout le bâtiment s'est transformé en véritable temple du jeu. Le public a pu s'essayer aux bornes d'arcade, mais aussi sur une quinzaine de consoles rétro. Les manettes étaient à disposition des petits curieux et des grands enfants. Toute cette collection a été ramenée par Régis, qui voulait partager sa passion. Quand on rencontre les trentenaires, les quarantenaires, surtout les quarantenaires, ils vont me dire « Waouh, j'avais celle-là !» Puis ils vont partager avec leurs enfants en disant « Bah regarde, je te montre à quoi moi je jouais !» Donc il y a tout cet échange-là vraiment intergénérationnel. Moi j'ai même eu des échanges avec des gens qui avaient 60 ans, qui parlaient de « Ah bah ouais, moi j'avais celle-là, la ColecoVision et tout !» Enfin voilà, il y a un réel échange intergénérationnel qui est hyper riche, quoi. À mon âge, quand j'étais jeune, c'était le tout début des jeux vidéo, donc j'ai vu un peu l'évolution là des consoles, c'est un peu ce qu'on a vécu à travers l'adolescence. Le jeu vidéo était côtoyé par les jeux de société dans la grande salle. L'association Loisirs Jeunesse du Pays de Beach qui organise cet événement a pu rassembler plus de 200 références pour satisfaire les goûts de chacun. La première édition avait lieu en 2018, mais l'arrivée du Covid a stoppé la série. Ce retour permet à l'association d'accomplir deux buts, créer du lien social et avant tout, que tout le monde s'amuse comme des fous. Connaître l'Orient pour comprendre l'Occident, c'était le thème de la conférence organisée vendredi soir par l'interassociation de Sierstal à l'espace Vitrac Saint-Vincent. Une conférence animée par Edgar Weber, professeur émérite d'arabe. Ce n'est pas sa première intervention à Sierstal. Il y a 2 ans, il présentait son nouveau roman historique, Valentin le Conquérant. Spécialiste du monde arabe, Edgar Weber a vécu en Orient une dizaine d'années. La conférence était accompagnée de musique orientale interprétée par les jeunes du village et agrémentée de dégustation de pâtisseries orientales faites maison. Une centaine de personnes ont fait le déplacement. On écoute le conférencier au micro de David Aurès. Monsieur Weber, ce soir, une conférence « Connaître l'Orient pour comprendre l'Occident ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit en premier de prendre conscience que si l'Occident existe, c'est grâce peut-être à l'Orient. Parce que la relation entre l'Orient et l'Occident fonctionne un peu comme une pièce de la monnaie, d'une monnaie. Il y a pile et face. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, ce qui est malheureux, c'est que peut-être on s'ignore réciproquement beaucoup trop, et d'où peut-être tous les conflits qui parsèment nos siècles depuis maintenant bien longtemps. Quel est votre objectif ce soir ? Eh bien, c'est de réveiller d'abord une conscience sur nous-mêmes. C'est que nous n'avons pas créé le monde, mais nous avons surtout beaucoup hérité de l'Orient, sans le savoir peut-être aujourd'hui. Si nous voulons nous connaître nous-mêmes, il faut d'abord commencer par connaître celui qui nous a fait naître. Vous pouvez donner des exemples ? Eh bien, ne serait-ce que quelque chose d'extraordinaire qu'on a totalement oublié, c'est l'écriture. Qui est-ce qui a inventé l'écriture ? Ce sont les Sumériens sur le bord de l'Euphrate et du Tigre. Et sans l'écriture, on ne serait pas rentré dans l'histoire. L'ignorance
nous amène à la haine et à la violence. Et le fait de connaître un peu l'autre, eh bien, on n'accède plus à la haine. Connaître quelqu'un, c'est peut-être être dans une bonne étape pour l'aimer. Et si on pouvait évoquer un peu nos esprits ce soir avec ça, je serais heureux. Une soirée musique et chant pour découvrir les talents du Beacherland. C'était l'objectif de la manifestation organisée à l'église de Rimelin vendredi dernier. Que ce soit en solo, en duo ou en groupe, musiciens et chanteurs des paroisses du Beacherland ont présenté leur savoir-faire au public. À l'origine de ce projet, l'abbé Jean-Paul Veil. Plus d'explications dans ce reportage de David Ores. Nous sommes bien dans une église, mais ce n'est pas une messe. Bienvenue à Rimelin pour une soirée musique et chant. De retour à Herschin depuis 4 ans, l'abbé Jean-Paul Veil, prêtre retraité, a organisé cette soirée pour mettre en lumière les talents des paroisses du Beacherland. Au programme, mandoline, guitare, chant, orgue ou encore trompette. Du solo au choral, dont certaines laïques, toutes les générations sont représentées. À travers cette soirée, l'abbé Veil souhaite également contrebalancer l'image parfois désuète de l'Église catholique en montrant sa vitalité et son dynamisme. Le prêtre retraité célébrera d'ailleurs ses 50 ans de sacerdoce au mois de mai. Change de registre pour se tourner vers l'univers du hip-hop, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi, un phénomène incroyable s'est déroulé dans le ciel au Royaume-Uni et dans le nord de la France. Des aurores boréales ont pu être observées. Elles sont apparues suite à une éruption solaire survenue vendredi. Des jets de particules chaudes et magnétiques générés par ces éruptions frappent le champ magnétique terrestre et provoquent ces faisceaux de lumière que l'on observe habituellement dans le Grand Nord. Et on peut voir sur ces images qu'hier soir, des aurores boréales étaient à nouveau visibles, surtout depuis le Royaume-Uni. Mais les plus observateurs ont pu profiter de ce spectacle même chez nous, comme Marc Rimbaud qui nous a envoyé une photo prise hier soir à Ormersvillers. Et je ne sais pas si ce spectacle sera encore visible demain. En tout cas, ce ne seront pas les nuages qui nous empêcheront de l'observer. La journée de demain s'annonce radieuse avec un soleil bien présent et un ciel très dégagé. Pour autant, les températures restent fraîches avec moins 3 degrés attendus dans la nuit et 7 à 8 degrés au maximum en journée. Demain, nous fêtons les Aubins et il fera jour de 7h17 à 18h17. Passez tous une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 11 mars, le CFABTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. OER Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OER Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Il n'a que 19 ans, mais il est déjà l'auteur de nombreuses compositions. Hugo Schwartz se dévoile dans le cadre. Ce fan de rap, attiré aussi par un répertoire éclectique, parle de lui et de ceux qu'il touche. Il a l'art de raconter des histoires en chanson. Je vous laisse faire sa connaissance aux côtés de Margot Dimpre. «
à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre, une émission pleine de surprises. Aujourd'hui encore, on va découvrir un jeune artiste. Il est originaire d'Ambar, il a 19 ans, il chante du hip-hop, mais pas seulement, c'est un auteur-compositeur, c'est Hugo Schwartz. Bienvenue dans mon saloon, ce soir c'est moi qui régale. Je ne suis pas venu jouer le clown, tu peux m'appeler barman. On peut se la couler douce, assieds-toi et regarde. Il y a de la bière qui mousse, de la musique et des femmes. Les cow-boys s'embrouillent, faut rester à l'écart. Ici personne n'a la trouille, parle trop tu prends ta part. De travers et ton regard, non ne manque pas de classe. Tu vas déguster le bar, de travers sera ta face. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué hommes et taureaux. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué. Des cafards, des dangereux, des pillards, des mafieux, des malades comme pas deux, des loupards, mais classieux ont un couteau en poche, ne le sortent jamais. Avec les poings ils t'amochent et ton visage est refait. Ils te parlent, tu deviens palo, ne viens pas si tu es peureux. Dans le saloon on est paro, mais les clients sont heureux. Car ce qui fait tout son charme, ce sont les fous du saloon. On a interdit les armes, mais tous les soirs ça fait boum. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué hommes et taureaux. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué. Deux, trois ladies à une table, parle aux dangereux et les calmes. Un saloon de gentleman, les bandits respectent les dames. Qu'elles sont belles et agréables, même les plus méchants se taisent. Tous les hommes sont malléables dès lors qu'ils se sentent à l'aise. Le saloon se vide, les derniers jouent au poker. Ils s'amusent, mais vu la mise, sûr que personne ne veut perdre. Une tournée de Hennessy, c'est un cadeau du salon. Les loupards me remercient, demain ils reviendront. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué hommes et taureaux. Dans le saloon, tous les locaux boivent ensemble, pas de solo. Certains jouent avec un couteau, d'autres ont tué hommes et taureaux. Hugo Schwartz sur la scène du cadre. Merci beaucoup Hugo, viens me rejoindre. Donc c'était Saloon, un titre original. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir. Comment ça va? Bah merci, ça fait plaisir d'être là. Ça va, ça va. Bah ça fait plaisir de commencer l'émission comme ça, en tout cas avec un talent pareil. Un style qu'on a peu l'habitude de voir dans l'émission, c'est du hip-hop. Comment tu définis ton style? J'aime bien ne pas le définir. J'essaye d'être le plus éclectique possible. Alors, je viens du rap, je suis un fan de rap à la base, mais j'essaye d'aller le plus loin possible, justement. Ok, donc tu mélanges un petit peu tous les styles et tu crées le tien. Donc, c'était Saloon, donc tu es un auteur-compositeur, je l'ai dit en début d'émission, c'est toi qui composes tes titres. Comment tu composes, de quoi tu t'inspires? J'ai plutôt tendance à parler de moi, ou de choses qui me parlent. Je raconte parfois des histoires qui sont effectivement fictives, mais qui partent toujours d'un sentiment qui m'est propre. Ouais, des textes qui ont du sens pour toi. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, puisque je pense que les gens ne te connaissent pas. Qui est Hugo Schwartz? Alors, je m'appelle Hugo. Je viens d'Ambar. J'ai 19 ans. J'adore la musique depuis toujours. Ça a toujours été mon échappatoire, quelque chose qui m'appartient profondément. Tombé dedans depuis tout petit, mais ça fait quelques années que tu as décidé d'aller plus loin dans la musique. Ça fait 4 ans. Tu prends des cours de chant? J'en ai pris pendant un moment, mais je suis plutôt autodidacte à la base. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure que tu fais un peu de scène aussi, parce que c'est ça aussi le Graal pour un artiste, c'est de faire de la scène, j'imagine. Bien sûr, je préfère de loin le live, être avec les gens, partager, c'est pour partager justement que je fais de la musique en fait.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne chantes pas? Je joue à la play. Je fais du basket. Je fais des Lego aussi. ou ben, la bière avec les copains, surtout. Surtout la bière avec les copains. Bien sûr, on n'oublie pas les bonnes choses dans la vie. Est-ce que tu as des références musicales, des artistes qui t'inspirent, des noms? En fait, il y en a tellement que ce serait difficile d'en citer que quelques-uns. J'aime beaucoup L'Homme Pâle, pour l'un des plus connus, ou d'autres artistes comme Django, Ichon. J'adore Dalida aussi, ah ouais. Jacques Brel. Ok, donc c'est très, très, très varié, très vaste comme répertoire. Tu as des projets à court, moyen terme? C'est quoi l'objectif pour toi aujourd'hui? J'ai pas de projet en particulier, mais j'essaye toujours de progresser en fait, musicalement et artistiquement, de rencontrer un nouveau public et de collaborer avec d'autres gens pour en fait, agrandir mon horizon. En fait. Oui. Il parle de quoi tes textes? Est-ce que tu as sorti, alors on l'a pas dit, tu as sorti une mixtape? Donc c'est un projet personnel. Est-ce que tu peux déjà me parler de ce projet-là? De quoi parlent les chansons qu'il y a là-dessus? Alors cette mixtape, c'est un projet qui s'appelle Relation. C'est un titre qui me plaît tout particulièrement parce que je pense que dans la vie, tout tourne autour des relations en fait, entre êtres humains. Quoi. Mmh. Et c'est de ça que parle la mixtape. Je parle beaucoup de filles, forcément. Mais je parle aussi de mes potes, de ma maman. Il y a des artistes dans la famille? C'est quelque chose qui te vient d'où? Alors, mon père fait du piano. Mais sinon, en fait, on est tous mordus de musique, quoi. Ouais, pas forcément artistes, mais fans, quoi. Ça vient jamais de nulle part. En général, il y a forcément quelqu'un qui nous a donné envie de faire ça. Hugo, on va maintenant passer à une question un peu particulière. C'est une tradition dans cette émission, c'est la question hors cadre. Donc, je vais te donner deux propositions de chansons, et tu vas me dire laquelle tu choisirais pour une reprise. On écoute tout de suite la première. Bon, on l'a tous écouté dans sa chambre en secret, on a tous dansé là-dessus. La deuxième, c'est celle-là. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Alors là, va falloir faire un choix. Laquelle tu serais capable de reprendre sur scène ou pas? De très loin, Fatal Bazooka. Ah ouais. Parce que je pense que pour moi c'est un classique, alors même si c'est relativement parodique, c'est quand même quelque chose qui a marqué, je pense, toute la France en fait. Michael Youn, c'est, oui, c'est une référence. Un des meilleurs de son domaine, je pense. Bien sûr. Ok, écoute, on a hâte de recevoir la cover, peut-être qu'on te réinvitera avec ce morceau sur le cadre. Non, je rigole. Donc tu as prévu par contre deux autres titres pour nous, est-ce que tu peux nous en parler de ces deux titres que tu vas faire tout de suite? Alors les prochains titres, le prochain s'appelle Lily, c'est un morceau qui est disponible dans Relation. Ok. Et celui d'après s'appelle Averse, et c'est une exclue. Eh bien Hugo, la scène est à toi. Joey Bonkers. Attends, c'est qui elle? T'as déjà vu ça quelque part? Jamais rien vu de tel. Elle m'a frappé du regard, je lui dis salut, t'es mignonne. Dis-moi comment tu t'appelles, ce que tu veux, je te le donne. Dis-moi tout, mademoiselle. Moi c'est Liliane, mes copines m'appellent Lily. J'aime bien le champagne et tout ce qui se passe après minuit. Enchantée Lily, mes potes m'appellent le W. Tu peux m'appeler chérie ou bien m'appeler pour le dîner. Attention Lily, beaucoup d'hommes te courtisent. Suis-moi Lily, on va faire des bêtises.
La belle, Lily, la folle, tout le monde l'aime, elle se préfère seule. Lily, la belle, Lily, la folle, tout le monde l'aime, mais elle n'aime personne. Non, Lily n'a pas de cœur, elle aussi c'est une bad girl. L'amoureux en un quart d'heure, c'est la plus belle des bad girls. Dès que tu lui parles, tu la déranges et son égo n'a d'égal que la taille de ses hanches. T'es comme toi, j'en ai deux par semaine. Je rigole pas, c'est relou d'être si belle. Et quand je refuse, ils augmentent tous les décibels. Plus rien ne m'amuse, les cœurs j'en fais de l'aquarelle. Rien ne te rend heureuse, ni les hommes ni les euros. Ils ne parlent que d'eux et pensent que ça les rend plus beaux. Ce soir tu es très triste, encore un acte de très triste. Tu danses arraché sur la piste, tu montres que personne te maîtrise. Attention Lily, beaucoup d'hommes te courtisent. Suis-moi Lily, on va faire des bêtises. Lily la belle, Lily la folle, tout le monde l'aime, elle se préfère seule. Lily la belle, Lily la folle, tout le monde l'aime, mais elle n'aime personne. Lily la belle, Lily la folle, tout le monde l'aime, elle se préfère seule. Lily la belle, Lily la folle, tout le monde l'aime, mais elle n'aime personne. Je t'appelle, ça fait mal, car j'ai trop de fierté. Les souvenirs arrivent avec un snap, un RT. On sait tous les deux que c'est toi qui as merdé. Non, les cris de douleur ne t'ont pas alerté. Quand je pense à nous deux, que me revient ta voix, que je ferme les yeux et ne vois plus que toi. Quand je pense que les mois ont fait tomber les feuilles, que nos rires, nos émois ont dépassé le seuil, et que même le ciel ne nous verra plus, qu'on a perdu nos ailes, qu'elles se sont décousues. Quand je pense que ta main ne touchera plus la mienne, ces schémas, ces dessins me détruisent l'abdomen. Je t'appelle, ça fait mal, car j'ai trop de fierté. Les souvenirs arrivent avec un snap, un RT. On sait tous les deux que c'est toi qui as merdé. Non, les cris de douleur ne t'ont pas alerté. Tout est bien pire, mais je veux faire croire l'inverse. Je me vois couler, mais mon cœur s'assèche. Je reste enfermé pour éviter l'averse. Comment trouver sans savoir ce que je cherche? Je cherche celle qui voudrait bien de mes défauts, qui le sait. Quand le sourire est rendu faux, qui me freine. Ressentirait tous mes maux, verrait ma peine. Et changerait la météo, qui me parle et qui m'aime. Qui connaît mes poèmes. Quand je rappe, t'es mon thème. 204 BPM, je serai ton fan, peu importe quand on plane, qu'on s'envole pour une vanne, tu t'emportes, reste calme, ferme la porte. Je t'appelle, ça fait mal, car j'ai trop de fierté. Les souvenirs arrivent avec un snap, un RT. On sait tous les deux que c'est toi qui as merdé. Non, les cris de douleur ne t'ont pas alerté. Tout est bien pire, mais je veux faire croire l'inverse. Je me vois couler, mais mon cœur s'assèche. Je reste enfermé pour éviter l'averse. Comment trouver sans savoir ce que je cherche? Je t'appelle, ça fait mal, car j'ai trop de fierté. Les souvenirs arrivent avec un snap, un RT. On sait tous les deux que c'est toi qui as merdé. Non, les cris de douleur ne t'ont pas alerté. Hugo Schwartz sur la scène du cadre, merci Hugo. Deux titres originaux, donc vu que tu es auteur-compositeur, c'est des titres qu'on peut retrouver sur internet? Alors pas tous, seulement Lily, qui est effectivement sur toutes les plateformes de téléchargement. Super. Sous le nom de Vush, W-U-S-H. Ok, comme ça on peut aller taper et te retrouver pour te soutenir. Des réseaux sociaux où on peut te retrouver, je pense que ça intéresse peut-être certains téléspectateurs.
Alors là où je suis le plus actif, c'est Instagram. Okay. C'est WUSH07. Bah, comme ça, c'est dit. Alors, un artiste en devenir, hein, c'est Hugo Schwartz. Je précise qu'il a seulement 19 ans. Tu prévois d'en faire à 100% ton métier, parce qu'actuellement, tu me disais, donc, tu vas reprendre des études. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la suite ? Effectivement, alors actuellement, je suis serveur. Bon, c'est un job alimentaire, quoi. Mais comme j'espère tout artiste, je souhaite en faire un jour mon métier, quoi. Et bien sûr, bah écoute, Hugo, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci d'avoir été mon invité dans le cadre. Merci à tous derrière votre écran de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr tous les mardis pour un nouveau numéro et découvrir de nouveaux talents. À bientôt, ciao ciao.